suis content d'être là et de représenter notre CFA. Pour représenter le lycée et puis bah aider à soutenir les athlètes. Je me suis entraînée avant. Parler surtout des étudiants au sens large et qu'on laissait un peu de côté le monde des apprentis. Donc on est venu ici et en partenariat avec l'Axal, bah tout simplement pour s'adresser à eux. C'est la première fois que je viens au Chalon. Jusque-là, mon emploi du temps ne me permettait pas de venir, mais c'est un événement que je suivais particulièrement par rapport aux apprentis. Les apprentis, eux, apprennent à vivre ensemble. Apprennent un petit peu à se côtoyer et c'est très intéressant pour leur future profession. Le sport, la culture, mais c'est ce qui fait toute la richesse d'un individu. Et dans l'apprentissage, il n'y a pas que les matières scolaires, il y a ça aussi. C'est le truc en plus. Le Chalon s'est créé il y a 26 ans, puisque nous sommes au 25e anniversaire, et je suis le créateur de ce challenge d'athlétisme des apprentis de Lorraine. Encore une édition qui a satisfait l'ensemble des apprentis, l'ensemble des jurys et des CFA. On avait environ 420-430 jeunes. Tous les ans, on constate que les jeunes se préparent, les jeunes veulent réussir, et puis les performances s'améliorent. Mon rôle, c'est de faire à manger pour ceux qui ont mangé. C'est de prendre du plaisir avec l'ensemble des élèves qui sont venus m'accompagner. Et puis, pourquoi pas remporter des podiums et faire en sorte que les élèves puissent participer au voyage. Bien, nous avons été invités par les organisateurs parce qu'il y a un fil rouge. C'est-à-dire c'est une course qui dure toute la journée. Les sportifs ont pour mission de réaliser un certain nombre de tours. En fait, 2013 comme l'année, et chaque tour crée un abondement de 1 euro pour une association, et cette année ils ont choisi les restos. Thank you.